Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous parler de peinture acrylique. Enfin, tout du moins, l'utilisation de la peinture acrylique. Alors pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup donc à me demander comment... Je parle surtout pour les débutants, qui se lancent dans la peinture abstraite et plus particulièrement la peinture acrylique. Et donc, vous me demandez comment utiliser la peinture acrylique. Enfin, est-ce qu'il faut la mélanger avec quelque chose? Est-ce qu'il faut l'utiliser directement sur la toile? Et c'est vrai qu'il y a une idée reçue... Beaucoup pensent qu'il faut systématiquement utiliser la peinture acrylique sans eau, ce qui est une erreur. Enfin, en soi, vous pouvez l'utiliser sans eau, mais vous allez voir que la plupart du temps, vous allez la mélanger avec quelque chose, votre peinture acrylique. Donc bah voilà, c'est en tout cas de ce sujet que je voulais traiter cette semaine. Tout d'abord, pour parler de peinture acrylique, si vous êtes débutant et que vous ne savez pas quelle peinture prendre, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais je vous recommande de prendre donc de la peinture d'étude. La peinture d'étude, c'est généralement aussi de la peinture fine. Et cette grande famille de peinture est donc très différente de la peinture qu'on appelle extra fine. La peinture extra fine, c'est la gamme au-dessus, c'est la peinture qu'on utilise généralement quand on est artiste peintre professionnel, enfin en tout cas quand on a une certaine expérience. Mais au début, vous allez tout simplement utiliser des tubes de peinture d'étude, pardon. Donc pour vous montrer un exemple, voilà, par exemple, alors désolé, il y a plein de peinture dessus, voilà un tube de peinture acrylique, de peinture fine. Ce type de peinture, donc c'est ce que j'utilise le plus souvent. Alors donc la différence entre une peinture fine et une peinture extra fine, je ne vais pas leur expliquer aujourd'hui, mais j'ai fait un sujet, un article, une vidéo, je vous mets donc le lien si vous voulez voir, si vous voulez vous renseigner sur le sujet, si vous voulez en savoir un peu plus. Voilà, donc pour l'utilisation de la peinture, moi, ce que je recommande généralement dans mes cours ou autres, c'est d'avoir une palette. Et quand je parle de palette, moi j'utilise des choses très très simples, c'est des assiettes en plastique. Pourquoi des assiettes en plastique? Parce que donc vous pouvez en avoir plusieurs sous le coude, c'est très pratique. Et donc vous allez pouvoir avoir la place pour utiliser, si vous en utilisez 5 à la fois par exemple, ben, ça peut vous faire 5 palettes différentes. C'est mieux que d'avoir une petite palette et d'être rapidement... dépassé par les événements et de ne pas pouvoir utiliser tout l'espace dont vous auriez besoin pour mettre toutes vos couleurs. Donc par contre, moi pourquoi j'utilise du plastique et jamais du papier? Parce que si vous utilisez des assiettes en carton, donc avec la peinture, au bout d'un moment, ben, ça va commencer à attaquer un peu le carton et vous allez avoir des petits résidus de papier, de carton qui vont se mélanger dans votre peinture. Donc ne le faites surtout pas. Si vous prenez des assiettes pour faire vos palettes, prenez des assiettes en plastique. Moi, vous me voyez souvent faire dans mes vidéos... vous me voyez mettre de la peinture directement sur la toile. Mais attention, c'est pas c'est pas parce que je mets directement la peinture sur la toile, du tube sur la toile, que je n'utilise pas d'eau. Et vous avez dû le voir. Moi, par exemple, quand j'utilise de l'eau, la plupart du temps, je vais utiliser mon fameux spray, que vous voyez dans toutes les vidéos, qui coûte quelques euros à la foire fouille ou n'importe où. Voilà. C'est un spray tout simple, hein, que j'emplis d'eau, et puis en fait, je peux régler tout simplement la diffusion de l'eau. Mais je vous l'ai déjà présenté dans mon guide du matériel. Si vous ne l'avez pas encore, il est gratuit, il est à télécharger. Je vous mets le lien ici. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais vous montrer les différents cas. Avant, je vais vous en parler. Donc, vous pouvez utiliser soit de la peinture directement donc sur la toile ou dans votre palette, sans la mélanger avec quoi que ce soit. Donc, quand vous ne mélangez pas votre peinture acrylique, alors attention, elle va avoir un véritable pouvoir couvrant, donc... en théorie, par rapport aux informations que vous avez sous le tube, je vous mets un lien aussi, parce que j'ai fait une vidéo qui explique donc les différentes indications que vous avez sur l'opacité ou autre. Et donc, voilà. Donc, en fonction de ça, si vous mettez votre peinture directement sur la toile et que vous l'étalez, donc certes, vous allez avoir un bon pouvoir recouvrant, dans la plupart des cas, mais la peinture va être difficilement utilisable. Vous allez avoir beaucoup moins de fluidité. Votre produit va être un peu plus raide, un peu plus sec. Et donc, il ne convient pas d'utiliser la peinture sans la mélanger avec autre chose pour faire des mélanges, des dégradés, ce genre de choses. Donc, dans quel cas vous devez utiliser de la peinture sans eau, sans aucun mélange? Moi, je vous recommande d'utiliser donc la peinture dans les, sans mélange, sans eau. Si, par exemple, vous devez faire des aplats ou si vous devez complètement couvrir, faire un fond, par exemple. Si sur cette toile, je devais faire un fond complètement vert, ben, je prends cette peinture. Et sans mettre d'eau, je peux recouvrir totalement ma toile. Donc l'avantage de ne pas mettre d'eau, c'est qu'elle va bien recouvrir en théorie le grain de la toile. Enfin, en tout cas, je ne suis pas censé voir de blanc, si j'ai une peinture acceptable, une bonne peinture. Et donc j'aurai une belle surface verte.
c'est généralement le cas dans lequel je vais recommander de la peinture sans eau. Et après, par contre, je l'utilise aussi sans eau quand je le travaille au couteau. Quand vous travaillez au couteau, vous travaillez de la matière, et généralement, vous utilisez la peinture directement sortie du tube. Par contre, si vous travaillez au pinceau, vous allez 9 fois sur 10 avoir besoin de mélanger votre peinture avec quelque chose. Et c'est là que je viens aux autres possibilités. Alors, vous pouvez mélanger la peinture avec de l'eau. C'est ce que je fais systématiquement. C'est-à-dire que je vous montrerai après, donc j'utilise un peu de peinture soit sur ma toile, soit dans la palette, et je vais la diluer avec de l'eau. Et après, la question à 1000 € que vous allez tous me demander, combien d'eau il faut-il mettre? Quelle est la quantité, le pourcentage d'eau qu'il faut mettre? Et en fait, j'ai pas envie de répondre à cette question pour la simple et bonne raison que j'utilise jamais le même taux, le même pourcentage d'eau. Et pourquoi? Parce que c'est simple. C'est que vous allez rapidement vous rendre compte qu'en fonction de la quantité d'eau que vous mettez, vous pouvez avoir plein d'effets différents. Mais pour pouvoir les expérimenter, ou en tout cas après les maîtriser, il est important de comprendre ce qui se passe quand vous mettez de l'eau dans la peinture acrylique. Si vous mettez de l'eau dans la peinture acrylique, vous allez gagner en fluidité. Et plus il va y avoir d'eau, plus votre peinture va devenir transparente. Elle va perdre de son opacité. Pour ne pas aller dans le détail, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que tout simplement, en fait, vous avez la concentration pigmentaire. La concentration en pigments, parce que votre peinture est constituée de pigments et d'un liant. Mais en fait, si vous la diluez avec de l'eau, la concentration va un peu se diluer. Donc, vous allez gagner en transparence, mais vous allez perdre en opacité. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Je vous mets un petit schéma là pour essayer de comprendre et pour voir la différence. Et je vous montrerai après. Donc, si par exemple, vous utilisez votre peinture sans eau, elle va avoir un vert bien puissant de cette façon-là. Si vous mettez un petit peu d'eau, mais vraiment pas beaucoup, vous allez garder le même pouvoir couvrant de la peinture, autant d'opacité, mais vous allez avoir plus de fluidité. Vous allez pouvoir travailler les mouvements, vous allez pouvoir mélanger, faire des dégradés, faire plein d'autres choses. Et voilà. Et plus vous allez mettre de l'eau, plus le produit va être transparent. Alors, au bout d'un moment, attention, parce que vous allez avoir plus d'eau que de peinture, que de pigments. Donc la peinture, le liant va plus trop adhérer. Donc vous devez quand même trouver des degrés voilà, qui sont acceptables, mais expérimentés. C'est comme ça que je fais tous mes effets, c'est en jouant avec différentes quantités d'eau. Donc voilà, moi, 9 fois sur 10, je mélange avec de l'eau. Certains vous diront aussi que vous pouvez mélanger la peinture avec un médium à peindre. Un médium à peindre, en fait, c'est vous avez différents types de produits qui vont être là à aider justement à gagner en fluidité, etc. Donc bah, finalement, vous allez avoir un peu le même résultat visuellement que le mélange avec l'eau, mais le mélange apparemment se fait mieux. Le mélange entre le médium à peindre et la peinture se fait mieux que l'eau et la peinture. Moi, honnêtement, avec l'habitude, j'ai pris l'habitude d'utiliser de l'eau, ça marche très très bien, de l'eau, vous en avez tout le temps, et elle vous permet vraiment d'expérimenter des choses, des coulures, etc. Donc moi, si je peux vous recommander quelque chose, c'est d'utiliser vraiment de l'eau quand vous mélangez, quand vous faites des mélanges avec votre peinture acrylique. J'y vais directement, sans faire de mélange. Alors par exemple, tac. Là, vous voyez que votre peinture elle est assez visqueuse, il n'y a pas trop de fluidité, mais vous avez une peinture qui est bien compacte. On voit que le vert est bien vert. Mais en fait, tout simplement, si je fais un trait, on voit que c'est assez raide, assez rigide, et qu'en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de fluidité, mais que le pouvoir couvrant est très... On voit que le pouvoir couvrant, là, ici, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, essuyez bien votre pinceau. Si après vous utilisez, alors généralement, bon, si vous réutilisez de la peinture ou autre, il est intéressant d'essuyer votre pinceau avec un sopalin ou autre. Et là, on va utiliser de l'eau. Alors par exemple, moi d'habitude, je ne travaille pas comme ça, mais là, pour vous montrer, c'est plus simple. Vous pouvez avoir un petit récipient d'eau, et donc vous trempez votre pinceau, vous prélevez un peu d'eau, et vous allez directement aller mélanger un peu, en fait. Vous mélangez votre eau avec votre peinture, tout simplement. Alors regardez la différence, vous la voyez bien. Donc là, dans notre cas ici, j'ai un certain pourcentage d'eau. Bah déjà, la chose qu'on peut remarquer, c'est que le fait de perdre de l'opacité, ça éclaircit légèrement ma peinture.
il y a deux. Le phénomène, il est simple à comprendre. C'est que le fait d'avoir mis de l'eau dans ma peinture, ça, donc comme je vous l'ai dit, ça, vous avez moins de concentration de pigments, et du coup, ben, votre vert, il est moins vert, il y a moins d'opacité. Du coup, donc vous avez un peu plus de transparence, et ça laisse entrevoir un peu le blanc que vous avez sous la toile. Alors après, vous pouvez jouer. Si vous remettez un peu plus d'eau, je refais exactement ce que j'ai fait avant, mais je mets plus d'eau. Et vous voyez que vous avez quelque chose d'encore plus clair. Et donc vous pouvez continuer à jouer comme ça jusqu'à mettre une quantité d'eau qui devient beaucoup plus élevée, vous voyez. Ben, en fait, c'est simple. C'est là qu'on comprend l'intérêt de l'eau. C'est plus vous allez mettre d'eau, plus votre peinture devient transparente. Par contre, le gros avantage, vous gagnez en fluidité. Vous utilisez moins de médias, moins de peinture, quand vous la mélangez avec de l'eau. Et de toute façon, quand vous allez essayer, vous allez clairement voir la différence. Là, j'avais un trait, il a été très très raide à faire. Ça a été, alors que là, sur les derniers coups de pinceau, avec de l'eau, j'ai presque un résultat qui ressemble à de l'aquarelle. Et pourtant, je suis sur la peinture acrylique, donc on voit qu'il y a beaucoup plus d'eau, et donc c'est plus agréable à peindre. Alors, pourquoi il est intéressant de mettre plus d'eau également? Parce que vous avez... Comme vous l'avez compris, ça crée de la transparence. La transparence, ça vous permet, là je vais un peu plus loin, de faire plein de choses en peinture acrylique. Les fameux effets que des fois vous souhaitez faire, comme on peut voir quand on fait de la peinture abstraite ou de la en peinture acrylique, vous jouez beaucoup sur la transparence. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire une première couche de peinture, c'est un peu la théorie finalement, la technique du glacis. Vous allez faire une première couche, donc vous la laissez sécher, et sous cette première couche, une fois que cette première couche est bien sèche, vous allez appliquer par-dessus une autre couleur avec une certaine quantité d'eau. Si vous avez par exemple une bonne quantité d'eau comme ici, ben vous allez voir à travers, vu que cette tête va être transparente, elle va laisser transparaître, donc par transparence, elle va laisser apparaître la teinte du dessous. Et en fait, c'est là que ça devient très intéressant. C'est que la couleur que vous allez avoir en dessous va s'additionner à la couleur, enfin visuellement, à la couleur que vous avez sur le dessus. Celle du dessous s'additionne avec le dessus. Et vous aurez un mélange des couleurs qui vont se faire visuellement, sans avoir mélangé les deux peintures en elles-mêmes. Et ça vous permet vraiment de faire des choses superbes. Et comme vous pouvez le voir, je l'utilise énormément dans mes tableaux. Quand je colorise différemment différents endroits, c'est tout simplement que j'utilise plusieurs couches avec des taux de dilution d'eau qui sont très différents les uns des autres. Donc je vous recommande vraiment d'expérimenter la peinture acrylique avec de l'eau et différentes eaux. Comme vous voyez faire sur mes tableaux, j'aurais très bien pu appliquer ma peinture directement sortie du tube et asperger, mettre quelques coups d'eau par-dessus. Pour faire évoluer un peu ma peinture, ou tout simplement pour mélanger directement sur la toile. Là, on voit que j'ai mis un coup d'eau. Bon, la peinture commence à sécher, mais du coup, vous pouvez très bien réutiliser ce qu'il y avait ici, là, et l'utiliser avec l'eau pour avoir différents taux de dilution. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'avec la peinture acrylique, vous allez pouvoir faire plein de choses. Par contre, attention, ça viendra avec l'expérience, mais vous allez tout simplement voir que le résultat que vous avez ici, moi, je sais très bien que ce vert ne sera pas le même. Généralement, quand tout ça va sécher, vous aurez des couleurs, des teintes qui vont être un peu différentes. Et plus vous allez diluer avec de l'eau, plus les résultats peuvent être altérés. Donc ça, il faut connaître sa peinture, il faut expérimenter, il faut essayer. Et vous saurez rapidement, avant même d'avoir fini votre tableau, ben, comment vont réagir les différentes couleurs. Donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo. Je ne vais pas trop dans le détail volontairement parce que c'est quelque chose qu'il faut quand même comprendre. C'est une base qui est importante à comprendre et surtout à maîtriser. Et pour maîtriser, comme je vous le dis à chaque fois, expérimenter. Donc, pour résumer, je résume ce qui est important de comprendre. La peinture acrylique, oui, vous pouvez la mélanger, je vous recommande de le faire. Dans 90% des cas, je la mélange. En tout cas, au moins avec un petit peu d'eau. Le taux de dilution d'eau va altérer, va donner des comportements très différents à votre peinture. Moins il y a d'eau, plus votre peinture opaque. Plus il y a d'eau, plus votre peinture devient transparente et plus vous perdez en opacité. C'est le même phénomène. Amusez-vous à travailler par couche pour justement voir comment évoluent les différentes... Quand je dis travailler par couche, c'est simple, c'est quelque chose que vous devez faire et beaucoup au départ n'y pensent pas. C'est-à-dire que vous allez faire une première couche de peinture,
Vous ne remélangez pas tout de suite autre chose dedans. Vous attendez que cette couche sèche pour retravailler par-dessus sur une seconde couche. Et c'est là après que vous allez pouvoir créer des choses sympas. Donc voilà, alors pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre contemporain, je me spécialise en peinture abstraite. Donc je vous propose des cours de peinture, donc j'ai réalisé un livre qui s'appelle « Se lancer dans la peinture abstraite » qui vous donne un peu toutes les clés si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas la peinture, que vous avez envie de vous lancer facilement et faire vos premiers tableaux dans de bonnes conditions. J'ai fait un livre qui s'appelle « Se lancer dans la peinture abstraite », c'est un PDF qui fait plus de 140 pages, un livre numérique, et elle est accompagnée d'une vidéo qui dure 1h30, qui est un accompagnement, un cours, dans lequel je vous montre comment réaliser un tableau avec vous, en direct, un tableau de A à Z. Voilà, donc écoutez, si vous avez envie de découvrir tout ça, je vous invite à suivre le lien que je vous mets dessous, si vous avez envie d'aller plus loin. Et sinon, si vous avez aimé la vidéo, j'espère et je compte sur vous pour mettre un petit pouce levé, vous, comme vous le savez, ça permettra vraiment de montrer un maximum de personnes intéressées par la peinture, tout ce que je fais. Donc à savoir que je fais une vidéo et un article par semaine. Je vous recommande d'autant plus cette semaine d'aller voir l'article dans lequel je mets beaucoup de données pertinentes justement sur tout ce que je viens de vous dire, sur les taux de dilution, etc. avec différents schémas. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas à cliquer. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le prochain article, la prochaine vidéo de la semaine. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurai aidé, que je vous aurai donné quelques clés si vous débutez, et je vous souhaite une excellente journée.